Salut tout le monde, c'est Alex le serveur et on se retrouve au pays des parcs d'attractions de Planet Coaster. Pourquoi il m'appelle joueur? C'est bizarre ça, mais enfin. Je suis pas joueur, enfin. J'ai mon compte Steam et tout, il y a mon image. Oh, tu pourrais reprendre le nom. Puis en plus j'avais mis un petit nom là. Bref. Tac tac, on reprend la carrière. J'avais dit qu'on allait commencer un nouveau parc. Le manoir des Silversmiths, ça commence à m'énerver. On y reviendra plus tard. J'ai envie qu'on fasse un petit peu de futur. Micmac scientifique de Dexter, moyen, rencontre nocturne. Mise en vente par le gouvernement, ce terrain autrefois interdit au public a été promptement acheté par des investisseurs afin d'y construire un ambitieux parc futuriste. Mais peu après son inauguration, la direction a mystérieusement disparu avec le fruit de ses recherches. Maintenez ce parc à flot. Gagner de quoi développer de nouvelles attractions et faire de cet endroit étrange, une destination prisée. Bah c'est parti. C'est parti pour l'aventure futuriste, ça va nous changer un petit peu, hein, voilà, on fait un petit peu dans le désordre, c'est bien. Ok, ça on a déjà lu. Alors il y a déjà 241 personnes dans le parc. Alors voilà, on a un ovni déjà crashé en plein milieu. Complexe l'entrée. Ok, mais c'est symétrique, c'est bien, j'adhère. J'adhère. Donc, des attractions forcément un petit peu machin chose. Pas mal hein, au niveau du décor. Très zone 51. Ah, c'est la même attraction. Deux fois la même attraction, bah pourquoi pas. Hein. Après tout, c'est vrai que moi je fais toujours une seule attraction, mais on peut s'amuser à en faire deux, deux identiques. Alors. Y a rien. C'est le scénario, donc y a rien. D'accord. Note de 50 pour l'environnement. Bénéfice de 3000 avec les attractions. Ok, recherche. Peut-être une attraction, du coup, sensation forte et familiale. Thème de pirate, bon, on s'en fiche. Conte de fées, on s'en fiche aussi. Les chapeaux. Et ils n'ont pas découvert les toilettes non plus. Bon. Ok. Alors, les mecs, forcément, s'il n'y a rien du tout à construire, ça va être un petit peu galère de faire des bénéfs. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu cette attraction. Et si on l'essayait? Ouh, les gens sont excités. Cassez-vous. Au suivant. Je sais déjà plus comment on utilise les boutons. Ah, voilà. Allez, emmène-moi à la forge. Vous avez un drôle de nez, monsieur. Oh, mais votre moustache vient d'apparaître. Vous me faites peur. Allez. Ah, c'est parti. Ah mince. Quoi, le bouton? C'est Faut réduire. Il me semble qu'il y a un bouton pour réduire ça. Hein?
La vue siège, ça reste quand même la meilleure. Oh, ça tourne! Bon, allez, on fait suffisamment les concons. Les recherches. Ça dit, on gagne des sous depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on a des employés? On a des employés. Bon. Intéressant. On n'a même pas une seule boutique, quoi. Enfin, c'est ouf. Allez, là, faut que ça monte. Ça dit, les sous, c'est fou ce qu'on gagne. Juste avec deux attractions. Bah ouais, c'est hyper bénéficiaire. Je crois que les bénéfices sont en train de s'émousser là, à vue de nez. En même temps, avec tout ce que je dépense en recherche. C'est long! Bon, je peux augmenter, c'est de l'investissement. Non, allez, on va être raisonnable. Soyons raisonnables. Et gagnons des sous. Il fait toujours nuit ou quoi ici? La caméra est un petit peu flippante par moment. Elle se met un petit peu aux fraises. Toute seule. Comme une grande. Hop. Allez. Plan. Évidemment, tout est bloqué. Ah, les chapeaux. Alors, j'espère qu'il y a des chapeaux de base. Cosmic Cow, Chief Beef. Allez, il nous faut tout de toute façon, là. Il nous faut tout. On va ralentir un petit peu. Donc, la vitesse 2, c'est bien. Boutique et service, du coup, en préfabriqué. Ah bah, c'est bien, on a tout déjà. Alors, les chapeaux. Chapeau futur. J'ai pas chapeau futur. Les chapeaux base. Bon, ça fait assez futuriste du coup. Enfin, c'est un truc assez assez classique. Chalala. Dis donc. Hop, on va tourner le bâtiment. Voilà. Ok. On va améliorer un petit peu l'environnement. Là, par exemple, pour l'attraction, 56%. On va prendre des trucs déjà construits. Des scènes futuristes. C'est marrant, ça. Oh, le pauvre, il est cassé. L'OVNI... Ah, ça le fait, hein. C'est cher. J'espère que ça va au moins augmenter pas mal. 67%. Qu'est-ce qu'on a au niveau futuriste là? Fontaine de contes de fées. Vaisseau comme ça. Bon là c'est un petit peu juste, mais du coup... Je mets dans l'autre sens. Ouais, c'est pas mal.
Ah, c'est pas trop mal. Bon, je suis ruiné, mais au moins, c'est pas trop mal. Et du coup, l'entretien coûte plus cher. À chacun son tentacule. C'est une phrase que je dis souvent. 93 pour la file d'attente. Très bien. On est à 37 pour l'environnement du coup. On mettra des décorations aussi de ce côté-là, bien évidemment. Ça hurle. Y a pas grand monde dans la queue là quand même, c'est embêtant. C'est joli, tiens. Quand même fait des efforts. 73%. On voit déjà que ça a moins d'efforts à mettre ici. Le prix très actif pour Forge 1. Quel est le prix? Où est le prix? On va augmenter un petit peu. Voilà. Allez, là, les tentacules. Si je l'augmentais là, faudrait peut-être que je l'augmente de l'autre côté. Histoire de... Est-ce que les chapeaux, ça marche? Ça va. Oui, bah, il y a des gens qui passent devant. Ah. Le Octopus et le White Blue. Alors le White Blue, c'est bien, ça colle avec le la thématique. On va continuer. Peut-être que je cherche les toilettes aussi, parce que quand même les gens vont un peu péter un plomb. Après le Chief Beef, on partira sur les toilettes. Enfin, on partira sur la recharge des toilettes. Hein. Personnellement, j'ai pas besoin d'aller aux toilettes tout de suite, donc ça va. Hop, attraction, White Blue. J'ai pas les moyens. Mais on fait quand même beaucoup de bénéfices, c'est assez ouf. Encore un autre? Ah bah oui. Chief Beef. Toilette. Pouf. Prix encore très attractif. Bah tant mieux. Là il y a une queue énorme. Et là elle est petite. La magie des queues. Donnez-moi des sous. Donnez-moi des sous pour que je construise le White Blue. On va déjà choisir où le mettre. Je pense que là, du coup, c'est pas un mauvais choix. Allez, on y est presque là. 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1600. Enfin, une route. Je pense que comme ça, donc entrée et puis la sortie, l'allée, on va la poursuivre. Alors c'est laquelle, celle-là? C'est celle-ci? Non, pas du tout. Celle-là, oui. J'arrive enfin à les reconnaître à peu près.
Pas forcément évident. Ok, et relier l'entrée. Ils mettent quoi ici comme entrée? Du classique? Non. Bah non. Non. Oh, mais c'est pas noir ça. Enfin, pourquoi c'est aussi noir là-dedans? C'est pas du tout noir dans le vrai. J'ai dézoomé là. Pourquoi tu me mets là? Merci. Caméra fofolle. Ouais, je lance un concept. Voilà. Pourquoi White Blue 2? C'est le premier. C'est étrange. Pam. Allez. Les gens sont attirés, c'est bien. Ici. On veut une boutique futuriste. En quoi c'est futuriste ça? Bon, c'est un peu minimaliste, cela dit, ça doit pas être plus cher. Non, ça c'est encore moins cher. Dis donc. Chalala. Là, c'est pas mal. Allez, on veut les sous maintenant. Tasty. Ça attire déjà, c'est bon signe. Par contre, va falloir mettre des petites poubelles. C'est où déjà? Je vois pas en quoi les futuristes, mais s'ils me le disent. Il y a quand même déjà pas mal. Vaut mieux être prudent. Ouais, bon, il y en a là. Non, c'est pas mal. Il y a pas mal de, poubelles. Un petit banc là. Alors, la musique. Ah bah les toilettes, j'avais pas vu. Toilettes. Boisson du coup, Cosmic Cow. Les toilettes futuristes. Y'a pas. Et c'est très cher les toilettes. À part les toilettes Bozo le clown. Oh mon dieu, mais quelle horreur. C'est immonde. Immonde. Pourquoi ils ont fait ça? C'est normal que ça soit aussi lent. C'est la fin, c'est ça? Ouais. Parce que sinon on se fait chier hein, là-dedans. Oui, bah oui, ils ont soif, je sais. Je vais créer... dès que je peux. Hein. J'ai lancé la recherche, désolé, j'avais oublié que j'avais fini avec les toilettes. C'est quoi, c'est le stock ou quoi? Enfin, c'est pas toutes les ventes quand même. Bah non. Ah non, c'est les objets différents en vente. Bah non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop grand aussi. Mais non, c'est-à-dire objet total de la construction. Non mais n'importe quoi, moi, je suis fatigué là. Voilà. Bénéfice, c'est bien ça. Je suis fatigué, c'est le nombre d'objets de la construction en fait. Loup. Loup. Loup fatigue. Toilette, du coup, là j'ai les moyens. On prend un truc classique, hein. Pif paf pouf. Classicus toilettus. Où est l'entrée? On voit l'entrée.
C'est complexe leur bâtiment là, je. Il y a plusieurs entrées, il y a. D'accord, l'entrée c'est là, mais derrière j'ai l'impression qu'il y a un autre truc. Oh là là! Voilà. Il y a une porte. Qu'est-ce donc? Faut-il y mettre un chemin? Bon non, ça parle de se relier à quelque chose. Ok. Alors. Ouais, alors par contre. Non! Me perds. À côté serait bien. Obstruction par quoi? Non, sélection unique. Comment je fais? Celui-là. Alors déjà, synchro-prix passe à 20. Voilà, partout. Et surtout. Non, pas le bâtiment, juste celui-là. J'ai oublié comment on. Non, je. Non, 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 non. Non, non, il y a un truc. Il y a un truc. J'aimerais bien le vendre celui-là en fait. Là, ouais, le 41, j'aimerais bien le vendre. Oui, quoi? Forge 2 en panne. Ah là là! Ça y est, j'oublie le gameplay du jeu. Je ne sais plus comment on détruit un truc. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de. Là, il y a tout, mais là, il n'y a pas détruire, quoi. Sérieusement. Est-ce que je paye deux trucs là? La route est même pas finie, enfin, c'est pas, ça a pas de sens. Ah, pardon, je peux la mettre. Allez! Accélère un petit peu. Les bénéfices ont bien chuté, hein. Ben voilà! Sinon on fait comme ça. Bah voilà. Bon, c'est un peu moche, mais. Les gens peuvent y aller des deux côtés. Comme avec certaines personnes. Voilà. Hop. Ah c'est bon, ça remonte. Ça remonte parce que j'ai plus de recherche. Les aéronautes ainsi que Insanity et paf, la boisson. On se calme. Alors les gens ont soif. Je sais, les gens ont soif. Vite régler ce problème. Cosmic Cow du futur. Bon, on prend un classique du coup. Chalala. Tiens, là, il y a pile la place. On aurait voulu faire exprès qu'on l'aurait pas fait aussi bien. Voilà. Ok. Et en attraction, il y avait les aéronautes. Insanity est pas mal aussi. Les aéronautes c'est beaucoup moins cher quand même. Mais Insanity. On va mettre un truc qui fait un peu plus peur quand même. Une petite recherche. Gulpi. Tiki Chiki. C'est quoi ça comme marque? Nourriture apparemment. Il n'y a pas de. Il n'y a pas encore de montagne russe. Bon. Du coup, je vais peut-être lancer un prêt. D'accord, c'est un risque sans emprunt. Ok, et eh ben on va accélérer la vitesse.
Il nous faut des sous pour construire cette attraction. Ah, des bons bénéfices quand même. Allez. Mon Dieu. Tourniboule. Ils ont moins soif, ça va? Satisfaction baisse. Mais pourquoi? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Soyez heureux. Bon, ça va, ça reste assez élevé la satisfaction. Surtout qu'ils peuvent boire maintenant. Et aller aux toilettes. Il y a une petite queue, d'accord, mais. Bon, ok, une grande queue. Et ils sont vite découragés par la queue. Hein. Tant que tout le monde se rassasie, je pense qu'après le. La queue reviendra à son rythme normal en fait. Enfin là tout le monde se précipite parce que tout le monde est mort de soif, mais après il y aura forcément moins de monde, ce sera plus régulier. Alors effectivement les sous ça met vraiment beaucoup de temps à monter. Donc, si je veux attendre de construire l'Insanity, j'ai le temps. Bon le Roctopus ça me dit vraiment rien. Que je ferais pas notre boutique quand même. Bon, quoique non, côté nourriture par exemple, c'est assez. Ça roule bien. Effectivement, il fait tout le temps nuit ici, c'est assez sympathique. Qui tourne à une vitesse. Ah, la queue est énorme. Ça, c'est ouf. Tiki-tiki! Il y a encore une nouvelle attraction, je sais pas ce que c'est. En DLC, enfin en mise à jour gratuite. Ça, c'est bien qu'ils en font aussi souvent quand même. Il n'y a pas eu de grosse update comme la Winter Update, mais ça ne serait peut-être tardé. Ou alors j'ai mal lu les trucs, mais non, je pense pas, sinon on aurait vu, mais ça, c'est bien quand même qu'ils prennent autant que. Ah, 2002! On va pas lancer de recherche tout de suite, on va attendre d'avoir assez pour bâtir du coup l'Insanity! C'est important de bâtir des attractions un petit peu frisson quand même. Alors, évolution du parc plus 3, bénéfice 1002, c'est très bien, hein. Y a de quoi être satisfait. Où est-ce que je vais le mettre du coup, ça, ce Insanity? On va équilibrer un petit peu. Oh, c'est de l'eau là! C'est joli. C'est un peu juste pour le mettre là, je pense. Ouais. Passera pas, je pense. C'est dommage, ce serait cool d'avoir un truc comme ça, vraiment. À côté de la, à côté du chemin en fait, les gens puissent voir. Je sais pas trop après quel mouvement fait cette attraction, donc ça n'a peut-être pas de sens d'avoir un chemin qui passe comme ça, mais on verra. 2680, si j'ai les sous. Ah, ça redescend, remonte, remonte. Ah, c'est bon. Donc là, non, on voit que c'est vraiment l'endroit qui convient pas. Alors je le mets là. Dis donc. Sais pas trop comment ça part. J'ai peut-être déjà vu cette attraction, mais j'ai un peu oublié. Allez, je mets l'entrée là. Je mets la sortie ici.
Et on relie l'entrée. Je vais faire un truc plus serré par rapport à ça, mais c'est pas grave. Je vais le faire comme ça. Je fais des choses étranges, mais j'assume. Insanity 4, je pense qu'ils avaient construit plein du coup avant, et puis ils ont tous détruit pour que le parc ressemble à ce qu'il ressemble actuellement. Pam, 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 pam. Alors c'est quoi, il n'y a pas de petit machin spatiaux. Bon, c'est ça à la rigueur. On aurait pu faire passer la file d'attente dedans d'ailleurs. C'était sympa. J'ai que des gros trucs. Je sais pas, non, ça m'inspire pas. Autant mettre des arbres. Pas des arbres un peu bizarres. Des buissons. Voilà, une jolie petite composition très rapide. Quel artiste ce loup. Voilà. C'est un peu plus cute. Ah non, j'ai jamais eu cette attraction. Double balançoire en fait, en gros. J'ai de belles jambes. Ouh! Ah d'accord. On fait un tour complet. Oula! Ah oui. Oh ça me. Oh mon dieu. Je crois que si j'essaie de jouer à ça en VR, ça me rendrait malade en fait. Déjà là ça m'impressionne. Oh là 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 là. Ok. Waouh. Faut que ça rapporte 7. Je suis sûr que ça vaut un peu plus. 9. Allez. Les gens sont contents. Pas mal de thunes, hein. On a des recherches en ce moment. Classique démentiel. Kickflip. On construira. Missy Good, Gulpy, Looney Blooms d'abord, et puis acrobatie aérienne à la demande. J'aurais dit que c'était ça les acrobaties aériennes à la demande. Du coup, le kickflip. Un petit kickflip. De ce côté-là. Peut-être faire le chemin avant. Allez, faisons le chemin. Alors je sais pas pourquoi ça donne envie de jouer Anno 2205. Enfin si, je sais pourquoi, parce que c'est cet anneau là se passe dans le futur. Faudra vraiment que je continue les let's play sur des jeux anciens, que j'en fasse de nouveau. D'ailleurs j'ai lancé un nouveau let's play sur un jeu tout récent, très sympa, qui s'appelle Mysterium. C'est un jeu de société à la base. Et là j'ai testé son adaptation, et c'était ma 300e vidéo. Donc si vous êtes curieux, allez donc fêter mes 300 vidéos sur ma chaîne en allant voir. Ça fait quasiment une vidéo par jour, hein, puisque la chaîne a bientôt un an. Je crois que c'est le 25 février.
Donc dans quelques jours. J'arrive pas à faire une vidéo à 365, je peux pas en faire 60 en 10 jours de vidéo, mais... Mais voilà. Combien ça coûte? 1009, ok. Bon, passe. Ah. Non, l'autre côté, c'est... Oui, non, c'est par là. Tant pis pour les rochers en décor, je trouve que c'est pas mal en le mettant ici. Hop. Je mettrai une petite boutique ici comme ça. Je sais pas pourquoi la musique s'est déclenchée. Méga serpentin. Méga serpentin. 41, oui, bien sûr. Hop, tac. Alors, au niveau de l'environnement, on va quand même rajouter des petites poubelles à droite à gauche. Parce que faut pas déconner avec ça. Voilà. Voilà. Il y a quand même des gens qui vont s'aventurer jusque là-bas. Très joli bénéfice. Ah bah oui, forcément. Qu'est-ce qu'il a pour... Il a l'air de marcher bizarrement. Temps de rentrée. Distributeur de billets. Bah ouais, j'en ai pas encore construit. Ah, mais il meurt de soif là. Mais enfin. Bon, est-ce que j'ai lancé une recherche pour une autre boisson? Comme ça, au pire. Non, même pas. Boisson, boisson. Sinon, voilà, un problème résolu. Alors, c'est dommage de cacher la... l'attraction. Ah non, c'est vraiment juste devant en plus. Bon là elle est un peu isolée mais j'espère qu'elle au moins se rentabiliser quoi. Au moins ne pas me coûter plus cher que ce qu'elle me vaut. Voilà. Oh non c'est un petit peu moche. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Dead Space, l'affiche comme ça, et j'ai tellement envie de rejouer à Dead Space. J'espère que je trouverai bientôt un moyen de vous faire des petits Twitch via ma console, ma Xbox pour vous montrer Dead Space.
Allez, hein, faut vendre. Les recherches. Faut que ça avance. 814 déjà, hein, ça monte bien. Là, faut amener des gens de ce côté-là. Ah, il prend forme un petit à petit le parc quand même. On va accélérer un petit peu. Les gens, le temps qu'ils arrivent. C'est pas comme ça que je vais me faire détruire avec cette attraction, hein. Quarante-quatre pour l'environnement, on monte petit à petit. Bénéfice mensuel, on a 1007, on a fait la moitié du chemin. Ce qui est marrant, c'est qu'on a fait la moyenne avant, là. Ils veulent 5000 et 10 000 à la fin. Et une note de 1000 pour le parc. On a fait la moitié du chemin aussi. Ça n'empêche qu'il reste pas mal de boulot. Bah alors, Missy Good et Looney Blooms. Alors, gestion du parc, attractions et boutiques. Insanity. Comment ça, on gagne pas d'argent avec ça? Ah, oula, si on en gagne beaucoup en fait. Les boutiques, eh ben, même les 1000 chèques, ça me rapporte. Je suis assez étonné. Enfin, le deuxième, le 31e, apparemment. Et bon, ça allait. Ah, on a des premiers secours. Je sais même pas. Attendez, on a tant de WC que ça. Ah, j'avais pas vu. Ah, c'est cool. Ah, c'est rigolo ça. C'est pas mal. Bien intégré. Donc, il y avait déjà des toilettes en fait dans le. Bon, j'en ai mis en double, c'est pas très grave. Peut se le permettre encore. Allez, là, plus que quelques petits pourcents pour de nouvelles boutiques. Allez! Ah! D'ailleurs, en parlant de let's play, il n'y a pas que le nouveau let's play de Mysterium que j'ai lancé, puisqu'il y a deux nouveaux jeux que j'ai lancés récemment, deux jeux console. Donkey Kong Country, le jeu de plateforme sur Super Nintendo qui est vraiment juste génial, et Zelda Link's Awakening, le premier Zelda sur Game Boy, enfin sur console portable plutôt, et qui est sorti sur Game Boy. C'est aussi le premier sur Game Boy, parce qu'il y a eu sur Game Boy Color les deux oracles que je ferai plus tard. Gulpy et. Just a momento. Premier secours, c'est pas la peine. Alors, y a pas d'attraction. Pas de montagne russe pour l'instant. Bizarre. J'ai débloqué quoi? Je sais même plus. Chief Beef, Cosmic Cow. Ice Cream, Hot Dog Squad, Missy Good. Ah, voilà. Pizza Pen. Ah, en fait, j'ai tout ça. Tiki Chiki. Par contre, en plan, il n'y en a pas. Ah, j'ai pas, j'ai la flemme de les personnaliser. Je suis pas très fort pour ça. Faut que j'en récupère encore d'autres sur Internet. Chapeau, on l'a déjà mis. Ça va en quoi, Looney Blooms? Mais bon, on va le savoir. Alors, bâtiment.
C'est dans quoi déjà? C'est là, bâtiment. Bâtiment, bâtiment, bâtiment. Personnalisé. Futuriste. Pas un truc tout construit déjà. Oh, filtre. Thème. Futuriste. Voilà. Ok. Plaque géométrique en fibre de verre. Pas des murs déjà. Plaque machin. Pas les plaques. Plaque, plaque. C'est bien gentil, mais. Ferme-toi. Pourquoi elle est pas verticale là? Terminal. Ah oui, je peux leur mettre des trucs comme ça en fait aussi. Je peux même. Voilà. Ah non, ça marche pas beaucoup avec le devant. Voilà, un peu plus comme ça. Qu'est-ce que... Deux secondes. Attends, je te mets là. Non, attends, mais... Non. Ah. Voilà. C'est chiant à mettre. Un truc comme ça. C'est hideux. N'ayons pas peur des mots. Qu'est-ce que c'est que ces grosses boules? Non mais vraiment. C'est ce que je reprocherais un petit peu plus au jeu, c'est que d'accord, il y a plein de personnalités, personnalisation possible et tout, mais il aurait fallu des outils un peu plus simples aussi pour ceux qui veulent pas passer des heures et des heures à en faire. Et plus de motifs. Chaque boutique aurait dû être créée déjà de base dans le jeu, dans une version pour chaque thème. Bon, ça va rester comme ça. Hein. Allez. Support Malader. J'aime pas ce qu'ils vendent. Des ballons? Ah, cool, des ballons. Première fois que j'en ai, je crois, dans Planet Coaster. C'est mignon. Alors, je sais plus où on en est. Ouh là, j'ai plein de sous. Plein de sous. Attraction. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore construit? Bah, les aéronautes. Voilà. En fait, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait là-bas, de l'autre côté, avec, avec leur entrée qui fait le tour en rond comme ça autour. C'est assez joli au final. Quel travail d'orfèvre. Une couille dans le potage. Je me suis trop approché du truc. Hop.
Voilà. 21 seulement pour l'entrée. Tiens, c'est le premier aéronaute construit dans le parc. Surprenant. Bon, quoique c'est vrai que ça va un petit peu vieillot pour un truc futuriste, hein, mais bon. C'est pas grave. On va décorer du coup, là, on profite, on a plein de thunes. Pas des bâtiments futuristes. Au niveau des recherches, hop. Sky Ace. Gulpi. Just a momento. Attraction, sensation forte, c'est important. Peep shot. Flore tropicale, désert, sylvestre, prairie, pirate, conte de fées, western. Bon, tout ça, c'est pas prioritaire. Du coup, décoration. Non, là, des bâtiments. J'ai pas de bâtiments. Pas de bâtiments futuristes. Je vais mettre le gros bonhomme là, le gros chien. Comment il l'appelle? Kleps en français. Ah mais il tire des lasers en plus avec les yeux. Je te lève un petit peu. Là. Un peu par là. Tu flottes un peu dans le vide, mais bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon à utiliser? Machin spatiaux, extraterrestre. Ça va, ça passe. C'est pas extrêmement beau, mais bon. Je voudrais bien déplacer, ouais, merci. Encore un bouton. Voilà, remettre. Non, alors lui, il est carrément dedans. Bonjour, je suis dans les gens. Et un dernier, j'arrive à le retrouver, voilà. Ok. Wow, première étoile. Très bien. On a plein de sous en plus. De quoi se plaint-on? C'est marrant, on gagne tellement plus de sous que dans les autres missions, j'ai l'impression, c'est bizarre. Je sais pas quel est ce miracle. Alors, est-ce qu'il y a une attraction Sky Ace? Voilà. Oula! On n'a jamais construit ça. C'est énorme. Alors. Alors, ça, c'est la première fois que ça m'arrive aussi. Un vendeur qui donne sa démission. Mais je pouvais il y a 2 secondes. Ah. Ok. Oui, alors, faudrait que je gère cette histoire de démission quand même, ça m'inquiète. C'est quoi ce principe de truc? Oh, c'est des. Ça vole aussi. Alors, 2 secondes. Pourquoi? Il y a une notion de salaire, tout ça, que je prends pas en compte. Mais si les mecs ils me disent pas qu'ils sont pas contents. Ah, bah, j'avais pas vu non plus qu'il y avait une démission ici aussi.
J'ai pas été sensibilisé aux salades employées. Voilà, on augmente sa formation. Ça le satisfait. Petite augmentation. C'est la charge de travail, c'est pas la satisfaction. C'est la charge de travail, ok. Ah mais c'est bien ça, on sait quelle est la charge de travail. C'est génial, j'ai jamais fait gaffe. Vraiment ça c'est très très bien. Un petit animateur robot. Je vais en mettre deux même. Et je vais finir avec mon attraction quand même. Pouf. Voilà. Et puis on va remettre un chemin naturel du coup. Pour faire comme là. Tel quel. Je sais jamais, j'arrive jamais à y retrouver les chemins naturels. Tais-toi. Largeur. Oh, il est énorme, il fait 4 mètres, mais c'est pas grave. Oui, très bien. Ok, obstruction, super, on s'en fout. On ouvre le Sky Ace One. Ah! Qu'est-ce que what? Le pip shot. Premier secours aussi. Très bien. Distributeur de billets. On pourra en mettre un. Et bon, apparemment, pas de montagne russe dans cette. Je suis un peu déçu. J'aurais bien voulu en construire quand même des montagnes russes. Pas de plan de pip shot, j'imagine. Rien de futuriste. Ah, ça c'est vraiment dommage. Ah, boutique futuriste. Grande zone commerciale futuriste. Ah bah voilà, suffit de demander. Ah ouais, alors par contre... Là on a tout, hein. Je suis assez fan. C'est vraiment grand. Faut vraiment le bon endroit hein, pour la mettre. C'est dommage, c'est que là, ça mord un peu, quoi. Et la petite, il y a quoi? Il y a que les chapeaux. Just a momento, c'est vraiment souvenir en fait. Beaucoup plus joli que ce que j'ai essayé de faire. C'est quand même pas mal. Boutique, là y'a quoi? Just a momento et les chapeaux. Ah, les chapeaux sont en hauteur d'ailleurs, c'est assez rigolo. Quand même la mettre puis voilà, je vais plus compter sur Just a Momento que sur les chapeaux vu qu'il y en a déjà une autre de chapellerie, mais tiens là c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Alors déplacer juste la poubelle. Je voulais plus se retrouver là. Bon, ma foi. Ah merde, j'ai pété le... Le truc là. Objet verrouillé, d'accord. Par contre, ouais, je voudrais bien virer les...
les poubelles. Mettre de l'autre côté. C'est bon, elles volent plus, elles volent plus. Et le bâtiment. L'escalier, il vole un petit peu. Voilà, comme ça, il n'y a plus de raison qu'il vole. Le bâtiment vole, mais c'est pas grave. Tout le bâtiment si je fais ça. Ah oui, génial. Entendu le logo de Ads Fantastic du coup. Allez, allez donc à Just a Momento là. Ils vendent quoi, Just a Momento? Des sacs. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y a des sacs. Allez. Au moins un. Bon, ça fait une heure, donc c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Donc merci d'avoir suivi cet épisode de Planet Coaster dans le monde futuriste. J'espère que la fois prochaine, on pourra faire des montagnes russes quand même, parce que moi j'aime beaucoup les montagnes russes. Assez sympa quand même, comme parc en tout cas, comme zone. Voilà, les bénéfices mensuels ont baissé d'un coup. Okay. Sont repartis avec des ventes ou pas? Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît bien sûr, de laisser un petit pouce bleu et de voir mes autres let's play. Pour cela c'est très simple, vous cliquez sur le lien de la description de la vidéo et vous aurez toute la liste de tous mes autres let's play. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Voilà, il y aura peut-être quelque chose qui vous plaira hein, si vous aimez les jeux de gestion de parc d'attraction, par exemple Roller Coaster Tycoon ou les jeux de gestion en général, Urban Empire, SimCity 4. Voilà, il y a vraiment plein de choses, je vous invite à aller voir tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner, il y a le lien direct. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils y vont mais ils n'y arrivent pas, j'ai l'impression. Peut-être que le truc est peut-être pas bon, le chemin, trop bas. Le lien direct se trouve dans la description là aussi, mais pourquoi ils font... Ah, eux, ils arrivent jusqu'au bout au moins. Voilà. Et sinon vous cliquez sur Mélophée en bas à droite, Mélophée à vous indiquer le chemin. Merci à tous, on se retrouve très très vite pour la suite de Planet Coaster. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Et on construira donc un 360 Power. Salut.